Bonjour, je m'installe. Ça arrive, ça arrive. Alors, bonjour Muriel, Angèle, Martine. Bonjour. Petit coup de nettoyage, c'est toujours mieux. Comment ça va? Alors, je suis un petit peu à l'avance parce que je me bats après une mouche depuis tout à l'heure et je ne l'ai pas eu. Fatigue de mouche là. Ça, c'est quoi l'amour alors? Coucou Brigitte. Alors, j'arrive, j'étais un petit peu à la bourre. Alors, j'espère que vous me pardonnerez d'avance. Depuis ce matin, j'ai la migraine. Et elle est un peu longue à passer. Bon, je fais les lunettes. Comme ça. Je vais un peu bouger. Alors, comment ça va? Je pense que j'ai tout sous la main. Le temps que tout le monde arrive. Bonjour Michel. Moi, ça va, à part cette migraine depuis que... Depuis ce matin au lever, mais ça va, il y avait longtemps que je n'avais pas eu une migraine, mais ça passe doucement, mais je sens qu'elle est toujours là, c'est pénible. Alors, on va commencer un petit peu. Alors, je vais me présenter si quelqu'un était là pour moi, ouais, merci. C'était la première pour quelqu'un. Alors, je suis Steph Portra, je suis démonstratrice en pin-up. En Saône-et-Loire, d'accord, tout proche, on va dire, un petit village, mais qui est quand même bien, bien ouvert, quand même, un petit village à côté de Mâcon, je pense que ça vous parle plus, ou à côté de l'Ain aussi. Là, je suis le long de la Saône-et-Loire, j'ai l'impression que je suis pas droite, le long de la Saône, voilà, je suis pas loin de tout ça. Donc, je fais des lives tous les mercredis après-midi à 13h30. Et sinon, je fais des ateliers chez les hôtesses ou bien, ah, ou bien chez moi aussi, c'est possible. T'attends le livret UPS pour une big, big commande. Je suppose une big, big commande Stampin' Up parce que UPS, hein, forcément, quand les démos disent UPS, ça veut dire Stampin' Up. Je mets live tous les produits que vous allez voir, c'est du produit Stampin' Up qui a forcément en cours, que vous retrouvez soit dans le catalogue annuel, parce que chez Stampin' Up, on a deux catalogues, soit dans le catalogue annuel qui est celui-ci, d'accord, soit dans le catalogue saisonnier, je ne l'ouvre pas encore, mais celui-ci, il commence demain. Jusqu'à... Non, pas demain, parce que demain, on est le 30. Je suis perdue, moi. Il commence vendredi 1er juillet. D'ailleurs, allez, 1er juillet, mes clients vont pouvoir profiter du catalogue vendredi, parce qu'il y a atelier à la maison. Donc, elles vont pouvoir découvrir. Celui-là, il fait juillet-décembre. D'accord. Et c'est du cas... C'est des... On va dire... Ouais, printemps, non, automne-hiver, on va dire, celui-ci, d'accord. Et juillet-août, on a la deuxième partie de notre grosse promo, la Celebration, dans un petit catalogue, oulala, je cherche mes mots, un petit catalogue, vous avez des cadeaux par tranche de 60 euros d'achat. Alors, il y a deux paliers de cadeaux. Il y a les cadeaux pour 60 euros d'achat, où vous avez aussi... des cadeaux pour 120 euros d'achat. C'est-à-dire que vous pouvez avoir pour 120 euros d'achat, vous pouvez avoir soit un cadeau qui a une valeur, voilà, soit deux cadeaux de 60 euros. D'accord ? On a des paliers 1, paliers 2. Que vous dire ? Vous avez aussi jusqu'à demain soir la fin de série des produits. D'accord ? Donc, il y a des fois, ça peut être pas mal. Il y a des belles promos.
Vous avez, qu'est-ce que vous dire? Je suis en train de regarder. Ah oui, aussi, il y a Stampin' Up, 7 ans. D'accord? Il ouvre son marché pour l'Irlande et la Belgique d'ici la fin de l'année. Donc voilà, encore deux pays qui se rajoutent à la liste Stampin' Up. Donc si jamais vous êtes démo, que vous êtes. Vous êtes là et que vous êtes belge, parce que bon, l'Irlande, c'est un peu plus loin, mais que vous êtes belge et que vous ne pouvez pas passer, parce que le problème, c'est qu'il n'y avait pas de démo, mais elle ne pouvait pas, les pauvres ne pouvaient pas passer de commande non plus. Donc, si jamais, scrappeur, scrappeuse belge, vous avez envie de profiter de Stampin' Up, n'hésitez pas, attendez encore, d'ici la fin de l'année. Donc, on n'a encore pas une date précise, mais ça arrive. Bah c'est tout, sinon que vous dire de plus? Bah rien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Aujourd'hui, alors ça tombe bien, aujourd'hui un petit projet tout simple et heureusement parce que sans prise de tête, parce que vu que j'ai une tête de joaillier, donc j'aurais fait, je pense que j'aurais fait des erreurs. Si j'ai pas commencé, j'ai pas fini, peut-être qu'il y aura des erreurs. Ah oui, merci Brigitte. Oh là là. Il y a aussi la promotion kit à acheter le deuxième à 50% qui se termine demain. Profitez-en, les kits, c'est super quoi, pour vous lancer, pour offrir, pour c'est vous avez tout, vous avez des kits avec tampons, des kits sans tampons, mais vous avez tout. Dans vos boîtes de kits, il vous faut seulement, moi je dirais seulement un ciseau, une paire de ciseaux. Des ciseaux, une paire de ciseaux, c'est tout. Autrement, vous avez la colle, vous avez les glue dots, vous avez tout, 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 tout. Juste une paire de ciseaux, parce qu'il y a des fois, il y a de la petite cordelette, la ficelle à rôti, et on n'a rien pour couper. Mais autrement, vous avez tout dans les kits. Vous avez le mode d'emploi, vous avez vraiment tout. Donc, moi, je pense que pour commencer ou pour offrir, c'est super. Je fais le tour. Je pense que je n'ai rien oublié cette fois. Heureusement qu'il y a des mots qui suivent et qui sont très attentives. Que vous dire de plus? Alors aujourd'hui, alors pareil, si vous passez commande, coucou Corinne, Corinne, si vous passez commande sur ma boutique en ligne et que votre commande ne fait pas 200 euros, il y a le code hôtesse que j'ai mis dans l'intitulé du live où vous retrouvez un peu partout, où vous m'envoyez un message, je vous le donne. Vous rentrez ce code hôtesse. Le mois d'après, je vous fais un petit. Vous recevrez de ma part une petite. Bonjour Soso. Une petite. Un petit remerciement. Si votre commande fait de plus de 200 euros, vous ne rentrez surtout pas ça. Bonjour Françoise. Parce que vous-même, vous pouvez choisir vos cadeaux. Alors, je vois qu'il y a des nouvelles têtes. François Lacharge, bienvenue. Bienvenue chez nous, hein, chez moi, parmi nous. C'est toujours un plaisir d'avoir des nouvelles têtes, malgré que je ne vous vois pas. Vous voyez cette mouche qui me vole autour, ça m'énerve. Alors, aujourd'hui, on va scraper. Je vous ai dit, je pense que vous êtes comme moi, vous aimez les cadeaux. D'accord? Alors, je n'ai pas le droit de vous montrer l'intérieur des nouveaux catalogues, mais je vais pouvoir vous montrer des petits cadeaux que vous pourrez gagner pour 60 euros d'achat ou 120 euros d'achat. Donc, je tourne la caméra et je vous montre ça tout de suite. Je fais de la place, tac, tac, tac. J'ai refait la moitié de mon bureau. Alors, je remets, hop, si je veux être. Alors, je retourne la caméra. Bonjour Alain. Alors, Alain, est-ce que c'est Alain là ou est-ce que c'est Madame Alain? C'est bien aussi si c'est vraiment un monsieur, c'est sympa. Hop, je me fais de la place. Vous allez un petit peu bon, ça a l'air d'aller pas trop bidouiller mon pied parce que de toute façon
Là, on a l'air d'être bon. Alors, ça, c'est le code test de juin qui se termine donc demain soir. D'accord? À partir de vendredi, il y aura un nouveau code. Et j'essaierai de le mettre à la première heure vendredi parce que, comment, avec le nouveau catalogue, je pense que ça peut servir à certaines. Donc, de toute façon, vous le retrouvez. Boîte. Alors, j'ai dit que nous allons travailler avec des produits. Nous allons travailler avec, on va dire en grande partie, les tampons, le papier, une partie du papier, les tampons et les découpes, c'est les cadeaux Celebration. Alors, je vous explique. Celebration, je vous avais dit que vous aviez soit pour 60 euros, par tranche de 60 euros d'achat, un cadeau. Okay? Donc là, pour 60 euros d'achat, vous choisissez ce que vous voulez. Hein. Mais pour 60 euros d'achat, vous pouvez avoir ce lot de tampons. D'accord? Votre commande fait 120 euros, vous pouvez rajouter les découpes. Vous avez aussi ce joli papier. Je vous montre pas tous les cadeaux. Hein. Bonjour Jacqueline. Je vous montre pas tous les cadeaux. Je vous montre juste ce qu'on va se servir aujourd'hui. Bonjour Nadège. Pour 60 euros d'achat, vous pouvez aussi avoir. Je suis en train de chercher les différents modèles. Ce papier-là. Alors, c'est du DSP 15-2 par 15-2, d'accord. Il y a 24 papiers, 24 morceaux. Vous avez chaque fois deux motifs différents. Là, c'est des lignes que vous avez or ou argent. Je ne sais pas si vous voyez. Or ou argent, là on voit. Et après, vous avez des petits pois, des petits or et argent aussi. Donc, vous avez 6 comme ça, 6 de chaque, quoi. Il faut qu'il y en ait 6 de chaque. C'est du papier, alors vous savez, tout ce qui est petits pois ou les lignes, c'est du doré. Donc, vous pouvez, avec une brosse à estompe, vous pouvez coloriser votre papier, mais ça ne colorisera pas le motif. Donc aujourd'hui, on va scraper avec ceci. Bon, une partie. Il vous faut. Alors, bonjour Perrine. Est-ce qu'il y en a qui vont. Bonjour Catherine. Bonjour Christine. Est-ce qu'il y en a qui vont scraper en même temps que moi? C'est quelque chose de très simple. Si vous n'avez pas préparé vos papiers, ouais, j'aime bien ces petits bouts. Ah ouais, puis quand il y a les poinçons de découpe, moi je trouve que quand il y a les poinçons de découpe, c'est vraiment tip-top. En plus, vous avez le petit parapluie, vous avez des fleurs, là vous avez des vagues, vous avez une petite bassine. Bonjour Arlette. Vous avez un petit tuba parce que vous avez comment s'appelle, le masque de plongée. Vous avez des petites lunettes, une petite bouée. Donc, les trois hippopotames. Vous avez un bateau. Vous avez des petites gouttes. Un petit chapeau avec son petit pompon. Alors, franchement, je trouve qu'il est super. Et on a des petits, comment? Des petits messages qui sont sympas. Fais la fête, tu le mérites. Hippie pourra. Ah, tu es vraiment super. Une tonne d'amour. Je trouve que voilà. Je trouve qu'il y a des fois, c'est des petits textes qui sont super. Ils sont pas très. J'ai pas fait mes découpes, j'ai fait que les textes. J'ai tamponné. Alors, c'est des tampons mousse. Hein, d'accord? Et vous voyez? Vraiment, moi, je les trouve. On les colorise ou on les colorise pas. Après, vous les colorisez avec ce que vous voulez. Tout dépend sur quel papier vous tamponnez, hein. Mais au Stampin' Blend, très bien. C'est voilà. Moi, j'aime bien. J'ai pas le temps de faire mes découpes, mais il est. Moi, je l'aime bien. Je trouve qu'il est sympa. Et on a dans le catalogue.
On a du papier, bon, qui est coordonné avec des collections. On a des tampons. On a un set d'enveloppes avec carte vierge. On a un sacré, si je peux vous montrer, parce que celui-ci, je trouve qu'il est super. Un beau set de tampons. Alors, celui-ci, comme il a énormément de tampons, il a 17 tampons. Là, il faut 120 euros d'achat. Mais en fait, c'est un set que vous pouvez faire des phrases. Tout simplement formidable. Waouh, tu as bonne mine. Ouais, il y a des choses. Et puis, il est... Bon, je l'ai pas... C'est en clear. Je l'ai pas utilisé encore. Mais voilà, ça fait des gros... Voilà, ça, c'est la grosseur réelle de vos tampons. Donc, il est vraiment... Voilà, je ne m'en suis pas servi encore. Faut que je le fasse. Bonjour, Dominique. Donc, vous avez ça. Vous avez quoi encore? Vous avez... Encore un set de dies qui est super, franchement. Il peut être avec des caravanes, des machins, des sapins. Encore du papier avec. Vous avez un lot papier tampon. Et vous avez aussi un joli set de tampons de si vous êtes hôtesse. Voilà, voilà, voilà. J'en dis pas plus. On va un petit peu scraper. Bonjour Fabrice. Alors, je vous avais donné les mesures. D'accord. Je vous avais mis un petit attention. Vous voulez voir le projet ou pas? J'ai pas envie de vous le montrer cette fois. C'est un projet tout simple, franchement, qui est vraiment très très simple. Donc j'ai pas envie de vous le montrer tout de suite. Allez, je fais la vilaine, je vous le montre pas. Allez, surprise. Des fois c'est bien. Je vous avais dit de préparer. Allez, on y va. Celle qui scrape avec moi. Alors, Martine, de quoi on a besoin pour faire l'ensemble? Alors, pour faire la création d'aujourd'hui, je pense. C'est ce que tu veux dire. Pour faire la création d'aujourd'hui, je vais te dire au fur et à mesure. Et franchement, c'est très simple. Donc, je pense que tu peux couper au fur et à mesure. Et même si tu ne peux pas couper au fur et à mesure, tu peux faire la base. Et après, tu pourras décorer sans souci. Les mesures de tous les papiers qu'il faut sont dans la barre d'infos du live là. Et pas de souci Christine, mais franchement prenez déjà une base de 28 par 10,5. Déjà ça, vous aurez le plus gros, d'accord, et après vous pourrez faire 30 kilos. Donc, je vois qu'on voit pas trop bien mon papier, hop. Parce que là, vous voyez mieux les mesures, je pense. Ouais. Et déjà, si vous prenez, en fait, c'est la moitié d'une feuille A4. D'accord? Qu'on va recouper un petit peu. On coupe à 10,5. Ça veut dire que vous pouvez faire deux projets avec un papier A4. Alors, on va commencer. Alors, Christine, est-ce que tu veux que j'attende un petit peu? Martine, est-ce que tu veux que j'attende un petit peu? Au moins que vous ayez coupé cette base. C'est 10. Alors, il vous faut un papier de 28. Donc, moi, je vais le couper tout de suite de 28 parce que je ne sais pas si je l'ai coupé. Si. Bon. Alors, il faut un papier de 28 sur 10,5. D'accord? Il n'y a pas plus compliqué. Je regarde si j'ai pas. Parce que des fois, dans le. Là, je vois pas forcément tout. Tous les commentaires. On est la tête dans le massicot et dans le coup de papier. Je note pour le moment, Christine. Bon, on peut y aller alors. Alors, sur les 28 cm, on va faire des plis. 9, 18, 27. D'accord? Je pense que vous allez peut-être découvrir. Bon, je sais que quelqu'un va découvrir la création tout de suite. 9, 18. Et 27. Ok. Voilà. Là, il n'y a pas de souci. 9, 18, 27. Après, sur les 10,5, on va faire, ça sera exactement les deux côtés pareils.
Sur les 10 et demi, on va faire un pli. Bonjour Annette. À 2,6 de chaque côté. Donc moi, pour avoir un meilleur appui là, je prends les 2,6 de ce côté. Alors, je le mets comme ça pour être 2,6. Alors, avec la migraine et puis les petits traits. Alors, 2,6. D'accord. Peu importe ou si votre petit pli il est en bas ou en haut. Peu importe. 2,6 pour le moment. Ça, c'est pas important. Ok. Voilà. 2,6. Après, on se remet dans ce sens. Peut-être couper. On va se mettre dans ce sens. On va faire des petits repères. Ok. Alors, on va faire des repères. Donc, là, maintenant, attention, vous avez votre. J'ai toujours pas changé ma main, mon papier. Vous avez votre petit pli là. Il fait 1 cm. Vous le mettez sur votre droite. Ok. Et on va faire des repères. Ok. En haut, en bas. Alors, 1,6. Donc, un petit repère. Hein. Oui, 1,6. Coucou Noël. En haut, en bas. Toujours un repère en haut, en bas. Repère, ça veut dire avec votre lame de traçage, vous faites juste vraiment un petit repère. Hein. D'accord. 10,6. Je vous rappellerai les petits. Si jamais vous n'hésitez pas à m'arrêter si vous êtes perdu dans les repères. Hein. Est-ce que j'ai fait un repère? Je suis à 10,6, 16,4. 19,6. En haut, en bas, hein. Chaque fois, un petit repère. Je suis à 19,6 et 25,4. 25,4. Non, j'ai pas bien marqué. Hop. Et 19,6. Là, je l'ai pas marqué en bas comme il faut. Hop. Voilà. Je vais vous redire les repères. Sur les 28 cm, ok, vous avez un pli à 9, à 18 et à 27, ok. Sur les 10,5, vous avez un pli de chaque côté à 2,6 cm. On se remet sur les 28. Sur les 28, on va faire des repères en haut, en bas. Alors, en haut, vous avez votre petit 1 cm, votre petit pli sur votre droite. D'accord? Et on va faire des plis dans le coupe-papier dans ce sens. On va faire un premier à 1,6, 7,4, 10,6, 16,4, 19,6, 25,4. Et à chaque fois, en haut, en bas. Ok? Là, on va plier. On va plier, tac, tac, tac. Sur les 28, les 9, 18 et 27, vous pliez, là. Hop. Bonjour Liliane, j'ai une mouche qui me tourne autour, là, et ça me saoule. Un crayon, un papier, ça sera un crayon et une règle, je ne vais pas y arriver. Vous allez... Alors là, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de me rapprocher. Sur
Là, vous avez sur votre ligne de pied, je vais me mettre derrière, vous verrez peut-être mieux. Je sais pas. Je suis en train de chercher. Ouais, vous voyez le petit pli en haut? Vous voyez, voilà. À chaque fois, le pli du haut, vous venez jusqu'à la ligne du pli horizontal. Là, vous venez, le suivant, vous venez là jusqu'à la pointe. Celui-là, jusqu'à la pointe. D'accord? Je vous montre. Je vous montre. Comme ça. Là, là, là. On trace. Je vais vous dire, tracez que comme ça. Vous allez voir pourquoi. C'est un gain de temps et ça sera très facile. Là, vous faites pareil. Ah, j'ai oublié. Demain, vous retrouvez le tuto papier sur ma chaîne, sur ma page. Et n'hésitez pas, pour retrouver mes lives, abonnez-vous à ma page YouTube sous le même nom. Ça sera beaucoup plus facile à retrouver tous les lives que sur la page. Et des fois, c'est pas évident. Hop. Heureusement. Et hop. Voilà. En fait, je vous ai fait tracer aussi des plis de ce côté. Alors, je vais monter, je vais mettre plus haut, Brigitte. Ouais, je trace. D'accord? Je vais montrer plus haut. Là, voilà le papier, le, vous avez. D'accord? Donc, à chaque fois, sur la ligne de plis, vous rejoignez votre paire et la ligne de plis. Et en fait, vous faites après des V, là, pareil. Vous n'êtes pas obligé, attention, là, il n'y a que celui-ci. Ça, on va tout, on va y enlever. De toute façon, c'est les languettes, on va y enlever. Donc, je vais vous montrer maintenant un gain de temps. Et puis, franchement, au lieu de... Bon, je me mets dans ce sens pour couper. Au lieu de couper comme ça et comme ça. Moi, là, bon, je vais couper là. Parce que là, vous êtes sur un bord. Ok. Moi, je plie. Et hop, je coupe que d'un côté. Et forcément, ça trace. Je vous ai fait tracer les plis, les repères de chaque côté, d'accord? Mais c'était pour vous, celles qui préfèrent couper. Oui. Bien sûr, je fais comme ça. Là, je coupe et après, je vous montre. Voilà, ça fait comme ça. Je vais recouper comme il faut. Voilà. Le haut du papier. Le haut de votre créa déjà. Ok? Et on fait la même chose en bas. De la ligne. De la ligne de pli au coin. Là, je plie. Et par contre, c'est précis. C'est pour ça que je vous ai fait mettre des repères. Il faut être précis, là. On ne peut pas biaiser au pif. On ne peut pas biaiser au pif. Bonjour, Flo. Bleu. Bonjour, Rosa. J'ai pas vu, ça a été trop vite. Rosalia, bienvenue. Hop. Et là, on lise. Voilà ce que vous devez avoir. Alors, Brigitte, toujours des folles quand on reçoit une PS. D'ailleurs, Brigitte, est-ce que tu as reçu la correction du tampon Impression de la nature, il est revenu celui-ci avec tous les tampons. Il en manquait un, c'était, je crois, celui-ci. Je pense si souvent à toi et aïe, il est de nouveau au catalogue. On peut et on l'a reçu. D'accord, on en est là, c'est pas compliqué. Alors là, vous pouvez plier
Je vais aller ouvrir un peu ma fenêtre parce que j'ai chaud. Ce début de semaine, ça s'était bien rafraîchi là, avec toute cette pluie là. Et ben là, aujourd'hui, déjà hier, hop. Donc voilà, on en est là. Donc, est-ce que vous voyez, je pense que, est-ce que vous voyez ce que c'est ou pas? Alors, bonjour Arlette. Vous voyez pas, vous voulez que je vous montre pour vous donner une idée ou pas? Maintenant, on va passer à la déco. La déco, il va falloir, alors DSP1, DSP2, je vous ai bien... Ah, d'accord, DSP1, DSP2, c'est-à-dire que je mets deux papiers. Alors, vous voyez pas encore ce que c'est. Alors, on va couler. DSP1, DSP2. Bonjour, Marilène. Brigitte. 8,5 par 4,5, il vous en faut 3 en DSP1. Et 8 par 4 en DSP2. Il en faut 3. Bonjour, Patricia. Brigitte, je crois que tu as trouvé. Alors, chut. Il y a un moment que c'était sur mon coin de bureau que je n'avais pas fini. Je n'avais pas fini au lait. Voilà, si je colle pas trop, ça ne va pas le faire. Voilà, et là on colle aussi. Hop. Alors, j'ai voulu essayer de me compliquer un peu la vie, mais j'ai abandonné parce que j'ai dû. Finalement, une fois que c'est fait, ça fait pas moche. On va coller d'autres papiers ici. Il vous faut. DSP1, pierre rose poli, la couleur exacte, c'est la couleur Incolor 2021-2023, donc elle reste encore un an celle-ci, pierre rose poli, oui c'est ça, donc il vous faut 3 DSP1 de 9 cm par 2,1 et 3 DSP2, toujours de 9 par 1,6. Alors, soit il en faut soit 3, de 3, soit 6 si vous en mettez en haut, en bas. Bon, fermeture spéciale. La boîte est spéciale. Quoi, la boîte est spéciale? Elle n'est pas spéciale. Mais il y a des fois, on se fait peur et puis, elle n'est pas si compliquée. Alors, on colle. Vous allez voir que, oui, ça déborde. Mais c'est pas grave. On coupe après. Oui, Brigitte. On coupe après. Hop. Bon, là, je vais couper. Parce que j'ai essayé de faire du calcul pour qu'on ait le petit matage sur les côtés, les machins. Là, on coupe ce qui dépasse. Hop, vous voyez. C'est pour ça que le DSP2 a la même longueur que le DSP1. C'est rare, mais je vous dis, j'avais commencé à faire des calculs pour qu'il y ait un petit matage, que mes... soit aussi la même forme que mes languettes, que mes machins. Je suis pas arrivée. Puis bon.
c'est pas que je suis pas arrivée, c'est que j'ai pas voulu me prendre la tête. C'est faisable, hein, pour les matheux. Allez, ici, bonjour, Jo Blanche. Ouais, je sais, Brigitte. Moi, elle était sur mon coin de bureau. Un projet commencé et pas terminé. Comme plein, 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 d'ailleurs. Comme beaucoup de projets. Oh, bah. Il fait chaud. Alors, je sais pas si... Mais il fait chaud, la colle. Je trouve qu'elle colle très vite. Bonjour, bonjour. Hop. Encore un intérêt à nettoyer les ciseaux. Parce que ça colle. Alors, soit moi je nettoie mes ciseaux avec un coup d'alcool ou dissolvant, soit j'attends que ça sèche et je mets avec ma gomme qu'il n'y a plus chez Stampin' Up, mais qui est ceci, celle-ci, là, la semelle de Kickers, là, et ben on peut enlever tout ce qui est colle. Mais bon, quand je fais du nettoyage de mon matériel, je sors ma bouteille d'alcool et je nettoie mon coupe-papier, mes ciseaux, tout y passe. Voilà, pour ça, je disais 3 ou 6. Moi, j'en mets que 3. De là, soit vous posez votre déco, soit vous montez donc la boîte. Donc on va pouvoir monter la boîte pour que vous puissiez voir la déco. Moi j'ai colorisé mais j'ai pas coupé. Alors sur le petit onglet, voilà. Et on met l'onglet à l'intérieur comme ça. Alors. Bon, habituellement j'ai pas fait comme ça. Moi, je monte, je ferme ma boîte. Je vous montrerai après comment on ferme la boîte. Je ferme ma boîte et voilà. Comme ça, c'est plus facile et je glisse. C'est plus facile. Voilà. Tiens un peu. En fait, j'ai fermé ma boîte derrière. Ça, c'est le... Comme ça, elle est fermée. Comme ça, vous voyez vraiment où vous devez mettre le... Je vais ouvrir et je vais appuyer. Ça vous fait une boîte triangle. Tac, tac, tac. Voilà. Alors ça, c'est dessous. C'est pour ça. Soit vous décorez. Donc, vous recoupez exactement comme là. Soit vous ne découvrez pas. Ok. Alors, je cherche. Alors, pourquoi c'est... Alors, est-ce que vous êtes toujours là? Parce que moi, ça me met que... Il n'y a plus de vidéo. Encore un coup. Dites-moi. Vous êtes toujours avec moi ou pas? Ça m'énerve, ça. Ça a l'air. Ouais, fermeture très, très, très facile. Très. Donc, j'ai tamponné mon petit hippopotame avec son petit tutu. Je suis en train de chercher des coupes. D'accord. J'ai colorisé avec les Stampin' Blend. Bon, oui, c'est tout. Armel, je ferai un replay. Pas de souci. N'hésitez pas à me montrer vos créations. Comme ça, ça donne des idées pour celles qui n'ont pas des fois de l'inspiration pour les décos. Bonjour Laura, j'avais pas vu. Alors, avec les Stampin' Blend, je pense que celles qui ne savent pas ce que c'est que les Stampin' Blend, je vais vous les montrer. C'est le feutre à alcool. D'accord. C'est le feutre à alcool. Bon, là, c'est les Inter.
Mais j'ai tout. Il y a une bonne partie de nos couleurs de Stampin' Up que vous pouvez retrouver en Stampin' Blend. Donc j'ai colorisé. Et maintenant, je vais découper mon petit. Alors, je recherche, ça doit être celle-ci, la petite cocotte. Est-ce que c'est celle-ci? Oui. Alors, c'est très pratique. Moi, je trouve que Stampin' Up, maintenant, ils nous font des petites découpes. Donc, forcément, on n'est pas obligé. Mon papier, parce qu'il va passer. Un maximum de découpes maintenant passe dans la petite machine et ça dans la mini stampine découpe et c'est un régal. Moi franchement elle est super. Alors on essaye de se mettre tac tac tac. Moi, je fais ça. Je mets comme ça. Je vise un maximum mes petits machins. Bon, je suis la reine du post-it. Hein. J'ai encore pas testé ceux de le marquage de Stampin' Up. Je ne l'ai pas testé. Il faut que je le teste. Ils font des petites feuilles de masquage pour masquer. Hop. D'accord. Je voulais découper quoi? Tiens, la petite ombrelle. Pareil. Avec un petit coup de ciseau pour prendre qu'un petit bout. C'est ce que je pose le ciseau. Je fais la déco avec vous. Hein. Hop, la petite ombrelle. Alors, je vous rappelle que quand vous faites, vous découpez avec, c'est pour l'usure de votre machine, donc pour protéger les roulements de la petite machine et pour que ça soit beaucoup plus facile pour vous de tourner, quand vous passez tout ça dans la machine de découpe, vous ne mettez pas toutes vos plaques bord à bord, vous les mettez en quinconce. Comme ça, elle rentre progressivement et c'est beaucoup plus facile, on ne force pas, on n'abîme rien et c'est génial. Un peu fondé. Hop, la petite ombrelle qui va aller voilà, par là, ou je sais pas où, peut-être là, non. Tiens, je vais peut-être la faire. Alors, je sais pas où est ma première. Je sais pas comment je mettrai. On va découper quelques petits cœurs. On reste girly. Hein. Vous voyez? Moi, elles sont en quinconce, elles ne sont pas du tout les unes. Et elles se replient comme la grosse machine. Mes petits cœurs. Je range. Je fais un mesure parce qu'après, on cherche. Alors, ma boîte. Oui. Ça, c'est le derrière. Donc, je vais découvrir des petits mousses 3D. De relief, c'est toujours pratique. Tac. Les petites et les grosses.
colle de ce côté-là aussi. Bah, en fait, là, c'est la rainure, c'est la languette qui est collée. Donc, autant mettre, autrement, ça se voit pas, on met derrière. Alors, attention, ne mettez pas de mousse 3D là-haut, parce que vous, bah après, tout dépend comment vous faites, vous collez votre déco. D'accord? Regarde où je mets mon petit bonhomme. Vous voyez, elle ressort. Si jamais, avec les Stampin' Blend, des fois, ça déborde derrière. Bah tiens, j'en avais fait une, je fais des essais. Des fois, ça déborde. Ce que vous faites, vous recoupez sur un papier blanc, vous refaites une découpe et vous collez l'une derrière l'autre comme ça. On ne voit pas ce qui dépasse. Alors, on va faire un petit point de colle par-ci, par-là. Là, il faut vraiment y aller mini-mini. Hein. Moi, je mets un petit coup, puis après, j'étale. Alors, je mets là pour bloquer. C'est séché. Mes petits cœurs. Alors, les petits cœurs. Moi, je prends mon outil touche à tout. Hop. Je vais mettre mon deuxième outil touche à tout. Je vais prendre une petite mousse 3D que je mets. Alors, par contre, quand j'ai la migraine, je tremble davantage. Et hop, j'arrive. Coucou Marjo, ça dort, ça dort. Hop, un petit point de colle. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. C'est le bon moment là. D'accord. Moment de la sieste. Et on colle. Tac, tac, tac. Ouais, tiens, je vais coller là. Hop, voilà. Je pourrais mettre, on dévisse un petit peu dans, quand vous en servez, l'outil touche à tout, en fait, vous achetez un outil comme ça, vous avez deux embouts de massicot, de mastic, pardon, vous avez cet embout là, vous savez, c'est pour rainurer, vous avez une grosse boule, une petite boule, et vous avez, là moi j'en ai deux, et vous avez cette partie là, une pointe, une spatule. Moi, j'en achète deux pour pas avoir à chaque fois à tout changer. La partie mastic pour attraper des tout petits trucs. Quand vous vous en servez, vous vissez un peu le mastic avec la pression, le mastic sort. Quand il a fini de sortir, vous redévissez pour pas continuer à donner de la pression. Autrement, votre mastic, il va tout sortir. Et vous faites attention que quand vous bouchez, qu'il soit pas visser à fond parce que c'est pareil. Moi j'en ai deux comme ça. Et en plus de votre massicot, c'est une option. Vous achetez ça avec le tapis mousse pour enlever tout ce qui est petits détails dans les dies, les machins, les dies qui sont très ajourés, qui sont très, très dentelles. On pourra venir y mettre un petit, tiens, comme celui-ci, là. Parce que je vois rien.
On pourra y remettre. C'est lequel? Forcément, qui rappelle un peu. C'est quoi? Je ne sais plus le texte. C'est un petit peu petit, mon bloc. Rose pierre polie. Alors. Moi, quand je me sers de mes encres, rose pierre polie. Je décharge. Ils sont super chargés en encre, hein, nos encreurs. Alors des fois, c'est vrai qu'on est un peu déçu par la couleur. Donc avec une cuillère ronde, d'accord, moi je pousse un peu mon encre au fond. J'y doucement, je pousse. Et n'ayez pas peur, ça n'abîme pas votre encre. Parce qu'après, quand ils sont rangés dans l'autre sens. L'encre à l'envers, le pad à l'envers. Mettre cela et voilà. Parce qu'il y a des fois ça fait trop foncé et puis c'est pas voilà. Je mettrai mon petit texte là, je vais le couper, je vais le mettre une ciseau. Ok, je finirai hors caméra ça, vous en avez l'habitude. Je mettrai après. Je fais un peu de place pour vous montrer. Hop. Alors, on va pas tout mettre par terre quand même. Vous voyez, le mercredi après mes lives, je fais quoi? Ben, le ménage dans mon live, dans mon atelier. Il n'est pas sale, mais alors tout ce qui est papier, tout ce qui est... Est-ce qu'il faut faire à chaque fois ou simplement une fois dès qu'on reçoit le tampon encreur? Alors, Jo, moi, je te conseille, déjà, je te conseille que la première fois que tu veux te servir de ton encreur, quand tu viens de l'acheter, moi, je te conseille, oui, de le faire. Mais vraiment, la première fois, n'hésite pas à le faire. Beaucoup, pas énormément, mais voilà, n'hésite pas à bien racler, d'accord? Après... Moi, je ne vais pas dire, tout dépend les couleurs. Les couleurs, les foncées, je ne veux pas dire que je le fais quasiment chaque fois, mais presque. Et franchement, je ne rencre pas mon pied, hein. Pas du tout. Hein. Donc, mais à chaque fois, parce qu'en fait, voilà, vous l'ouvrez, votre pack d'encre, il est là. Je pense que vous connaissez tous. Donc, quand on le fait, quand on appuie avec le dos de la cuillère, on pousse l'encre au fond du pad. D'accord? Je pousse un peu parce que. Quand vous rangez votre pad, vous voyez, on le tourne. On tourne. Ça veut dire qu'il se retrouve à l'envers. Donc, votre encre, sans dégouliner, mais votre encre, elle redescend. Donc, après, à faire des tests. Moi, vous voyez, je pense que je ne l'aurais pas poussé, ça aurait été plus foncé. Mais après, c'est libre choix. Moi, je sais que pour les encres très foncées, je vais le faire systématique, on va dire. Pour les clairs, non, mais pour les foncés, ouais. Je vous montre la petite boîte que... je vous montre la petite boîte que j'avais faite. Alors, j'ai fait celle-ci devant vous, vous l'avez vu. Et j'ai fait, vous savez, j'essaye de faire... Et j'ai fait... L'autre. Pas de quoi, Jo. Voilà. Je vous montre un petit peu. Vous les verrez un peu plus. Alors là, c'est la petite bassine. Est-ce que vous allez voir les petits détails de la bassine? Elle est coupée et embossée en même temps. Vous voyez, on voit les petites rainures. Elle est coupée et embossée en même temps. Et c'est pareil, elle est pliée dessous, j'ai rien mis non plus. Vous pouvez mettre un petit point de colle si vous voulez pas qu'elle s'ouvre. Mais moi, en fait, ces boîtes-là, je vous ai pas montré fermer quoi. Mais c'est des boîtes que on pourrait faire en quantité.
Moi, je trouve que pour un baptême ou quoi. Et on peut les faire à l'avance. Et vous avez vu, elles sont plates, en fait, quand on les prépare. Et hop, on les replie qu'à la dernière minute. T'as vu, ma copine Steph est très gentille. À qui tu dis ça? Oh là là, c'est gentil. Bon, je renseigne. Dès que je peux donner, voilà. Pas mon avis, franchement. Mais voilà, moi, dès que je peux donner mes petits tuyaux, je le fais. Voilà, on est là pour ça. Moi, je trouve que ce qui est de plus en plus rare maintenant, ce qui se perd, c'est que les communautés maintenant deviennent de plus en plus égoïstes. Et moi, ça, j'aime pas. Je pense que quand on se met... On fait des vidéos, on partage des choses sur nos pages. Moi, je dis, ben, elles ne nous appartiennent plus. Hein. On a beau dire, quand vous faites nos créations, merci de nous taguer, de nous machin. Là, franchement, ce n'est pas une création de moi. Ça doit être aussi... Brigitte, ça doit être une Allemande, je crois. Ça doit être une démo allemande qui nous a montré ça. Mais qui, je ne me rappelle plus. Mais franchement... voilà. Une fois que c'est sur la toile, c'est dans les mains de tout le monde. Donc, hein, c'est... Moi, je dis... voilà. Moi, je partage. Je partage ma passion pour le scrap. Après, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Donc, voilà. Oui, je vous disais que c'est des boîtes qu'on peut faire à l'avance et plier au dernier moment. Et ça, moi, je trouve... Et dans un papier A4, vous en faites deux. Et c'est vraiment... Et puis, un papier 10 par 10, 15 par 15. Je vais regarder dans mes chutes. Il y a un papier de 15 par 15. Après, c'est pareil. C'est tout dépend s'il a une... Là, comme là, j'ai voulu mes lignes dans ce sens, il a fallu que je prenne deux papiers. D'accord? Parce que les mesures n'allaient plus... Mais après, le papier, celle avec les petits pois. Ouais, c'est une Allemande, ouais, c'est ça, je ne me rappelle plus. En fait, les Allemandes, elles font des super beaux trucs. Les scrapeuses allemandes, elles sont très fortes. Voilà, ça, c'est les restes pour celle-ci de boîte. Comme il y avait un sens, on ne peut pas bien le tourner. Et pour cette boîte-là, un seul papier. Donc là, deux papiers... de 15,2 par 15,2 et il me reste ça. Et là, parce qu'en fait j'avais dû découper ça et après voilà, si je voulais faire ça ou quoi, c'était pas dans le bon sens. Bonjour Viviane. Et après celui-ci où il n'y a pas forcément un sens, voilà ce qui me reste sur un papier de 15,2 par 15,2. Donc après, si vous avez une grosse quantité de boîtes à faire, ça faut y réfléchir. Est-ce que essayer de prendre un papier où il n'y a pas de sens, vous ferez une économie. D'accord? Voilà, voilà. Alors, je vais essayer de vous les mettre. Je ne sais pas comment que vous puissiez les voir. Ça, je ne vais pas les prendre en photo. Ça, c'est vraiment un truc. Je ne sais pas si on va les voir. Hihi. Essayez de les... Non. D'accord. Bon. Je ne vais pas arriver. Ah, je vous les montrer. C'est comme ça. Est-ce que vous les voyez? Évident, hein, il y a des boîtes qu'on peut prendre et il y a des boîtes qu'on ne peut pas. Voilà, voilà. D'accord. En fait, je vais les tenir, hein, c'est mieux. Ça fait vraiment... Alors, je ne vous ai pas précisé, mais ça fait une hauteur de... À peine 5,5, ça doit faire 5,3 ou 5,2, mais 5 cm. Ça fait... Après, c'est très gros, mais je pense qu'il y a moyen de faire plus petit. En proportionnant les mesures, je pense qu'il y a moyen de faire plus petit. Mais moi, je trouve que pour un baptême ou pour des petits, je trouve que c'est trop beau. Bon, moi, le baptême, c'est pas demain. Hein. Voilà, voilà. Alors, merci à tous. Je vais tourner la caméra pour vous dire au revoir quand même. De visu, c'est quand même plus facile, plus sympa. Alors, hop, sans essayer de couper parce que ça, c'est à chaque fois, c'est moi. Alors, hop.
Voilà. Alors, eh ben, si ça vous a plu, tant mieux. Hein, n'hésitez pas, pour toutes celles qui vont faire les boîtes, n'hésitez pas à partager. Ça donne des idées aux autres. Sinon, je vous dis, eh ben, à la semaine prochaine. Il me semble que j'avais le projet, je ne sais plus ce que j'ai mis. Je pense que j'ai le projet d'une carte. Mais d'ici là, vous savez, moi je suis une fenêtre boîte. Mais le problème, c'est que je suis en train de regarder. Le problème, c'est que j'en ai de partout. Les cartes, ça se range bien, mais alors les boîtes, j'en ai d'au-dessus, j'en ai de là. J'en ai... Bon. Voilà. Donc je vous dis merci. N'oubliez pas toutes les promos. Le nouveau catalogue qui arrive vendredi. Et si jamais vous voulez recevoir le nouveau catalogue, vous n'avez pas de démo, que vous avez envie de recevoir le nouveau catalogue, envoyez-moi un message, vous avez mon adresse mail ou en message privé. Je me ferai un plaisir de vous l'envoyer sans souci. Alors Brigitte, bah, fais-toi plaisir, hein, pense bien à nous. Et puis je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et finissez bien votre journée. Bisous, bisous. Oui, Jo, une scrap boîte, mais alors. Allez, bisous à toutes, merci.